Comment dessiner un œuf de Pâques avec un poussin à l'intérieur? Voilà, un petit dessin surprise pour Pâques, assez facile à reproduire, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Allez, pour commencer, on vient plier notre feuille en trois. Voilà, essayez d'avoir un espace pas trop grand à l'intérieur pour ne pas être embêté par la suite. Donc ensuite, on vient directement dessiner l'emplacement de notre œuf. Voilà, on fait la forme de notre œuf en ayant la feuille repliée pour l'instant. Une fois qu'on a ça, on peut venir à l'intérieur allonger un tout petit peu notre œuf. Voilà, pour que ça dépasse. Et venez bien faire la démarcation, la ligne, voilà, pour la partie qui sera refermée pour pas que ça dépasse. Et ensuite, on peut directement attaquer le poussin. On vient faire un dessin assez simple. J'ai réalisé ce petit dessin en live, donc n'hésitez pas à passer le mardi si vous avez vraiment des questions. Comme ça, je peux vous répondre directement en même temps. Voilà, le dessin que j'ai utilisé en référence était un dessin de Fortnite. On va faire quelques petits plis partout, les yeux. Voilà, on va faire deux ovales. Ensuite, on vient faire des petites joues qui vont passer devant. On va faire le bec avec la bouche du poussin qui va nous faire un petit sourire. Une fois qu'on a ça, on peut faire les coquilles. Pour la partie de l'œuf, on va venir faire des petits dessins. Voilà, n'hésitez pas à faire autre chose si ça vous plaît. Voilà, vous n'êtes pas obligé de refaire exactement la même forme que moi. Ensuite, comme ça, on pourra mettre deux couleurs différentes sur la partie extérieure de l'œuf. Et voilà pour le dessin. Donc ensuite, je passe à l'ancrage avec un liner Faber-Castell de 0,7 mm. Je viens faire des traits plus ou moins gros pour donner un style cartoon à mon dessin. Pour la couleur, je vais faire un dégradé avec des feutres OU brush marker. Donc je vais faire un dégradé plus foncé vers le plus clair. Et voilà pour ce petit dessin surprise, les amis, pour Pâques. Voilà un dessin qui est assez facile à reproduire et qui rend vraiment très bien pour ma part. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un gros pouce bleu, à me dire dans les commentaires. Je vous dis à la prochaine. Allez, ciao!